texte officiel, canonique, de promulgation des décrets synodaux. Olivier Le Borgne, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège, évêque d'Amiens, en vertu de ma compétence d'évêque diocésain au sein du synode, conformément au canon 466 du Code de droit canonique, dans la ligne du canon 391, paragraphe 1. Compte tenu du travail des équipes synodales et de l'Assemblée synodale qui s'est tenue les 10, 11 et 12 mai 2018, vérification faite par les experts ayant participé aux travaux du synode, que dans les textes adoptés, rien ne blesse la communion de foi, d'espérance et de charité de notre Église diocésaine avec les autres églises unies à celle de Rome, et que rien non plus ne va à l'encontre de la législation générale de l'Église catholique, les propositions retenues n'excédant en rien les limites du droit particulier. Je publie la lettre pastorale « À Dieu, tout est possible » et promulgue les articles intitulés « Décision, invitation et chantier » qui auront la qualité de décret du synode, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2018. Fait à Amiens, lors de la célébration de la Saint-Firmin, patron de notre diocèse, le 30 septembre 2018, Olivier Le Borgne, évêque d'Amiens, par mandement, Michel Proyard, chancelier.